Bonjour à tous, alors on se retrouve avec un méga haul action. Avant que je vous montre tout ça, j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc premièrement, pensez à participer au concours. Le jour où je posterai cette vidéo, ça sera le dernier jour pour participer. Et il y a pas mal de choses action, donc si vous regardez cette vidéo, vous devriez aimer ce qu'il y a dans le concours. Ensuite, j'ai reçu de la part d'Octoly un rouge à lèvres MAC. Donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo, celle qui suivra celle-ci. Donc restez connectés pour pouvoir avoir mon avis sur le rouge à lèvres. Et puis je vous ferai un make-up un peu spécial. Donc restez connectés, ça sera celui-ci. Là vous voyez pas bien, mais là il est pas complet. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Donc on commence tout de suite avec tout ce que j'ai acheté chez Action. Donc déjà j'ai pris une petite vanille comme ça à mettre en voiture et puis elle danse avec les rayons du soleil. En fait ça la recharge. Il existe aussi Flamant Rose, Sumo et peut-être d'autres, mais je me rappelle plus. Ça fait plusieurs fois que je la vois, je l'ai jamais prise et puis là, ben, voilà, je l'ai prise et je la trouve vraiment toute mignonne. Vous voyez, là on va pas bien voir, mais elle danse. Ensuite, j'ai pris deux paquets de graines de tournesol. Donc elles sont pas sucrées, pas salées, rien du tout. Et moi j'adore ça, j'en avais plus donc j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris trois moules comme ça en silicone pour faire des glaces. Une glace en forme d'ananas, une en forme de fraise et une en forme de raisin. Vous mettez de l'eau, du sirop, du soda, enfin ce que vous voulez. Et vous avez le bâton et tout. Enfin, alors je vous explique comment en mettre. En fait, on remplit hein, tout simplement. Le bâton doit plonger, ensuite on met au congélateur. Et puis ça nous fait des petites glaces sympas pour l'été. Donc ça existait aussi avec les moules roses, les moules bleus, les moules verts d'eau et rouges. Voilà. Ensuite j'ai repris ce produit là, donc le vert c'est celui-là, c'est à couler, c'est celui spécial cuisine, mais on peut un peu faire tout avec, et c'est citron et poivre noir, et il est très bien, en plus il est en promotion cette semaine. Ensuite j'ai pris des chocolats pour offrir à mon papa, puisqu'en fait j'avais pris, mais je peux pas vous les montrer là, mais j'avais pris deux boîtes de petits cœurs comme cela, un chocolat en forme de cœur Milka. Pour, un pour la fête des mères, un pour la fête des pères, et puis on s'est dit oh, on va donner les deux à la fête des mères parce que sinon mon papa va être jaloux. Donc du coup on leur a donné. Donc comme vous avez pu voir, il y a une boîte pour ma maman en chocolat avec du lait à l'intérieur et une boîte pralinée avec des éclats de noisettes ou d'amandes, enfin voilà, pour mon papa. Donc on leur a donné et puis là j'ai repris une petite boîte comme ça pour mon père, ce sont des chocolats belges, je vous marquerai sur Insta s'ils étaient bons ou pas après la fête des pères. Et donc pour pas qu'il y ait de jalouse, j'ai pris des petits bonbons pour ma maman, donc Look Look, You Are The Sweetest, et il existait un modèle bleu, je sais pas exactement ce qu'il y avait dedans, enfin les formes de bonbons, et là vous avez plusieurs formes de cœur, puis une bouche comme ça. Voilà, je vous montre les trois sortes de bonbons. Il n'y en a pas énormément dedans. Ça fait combien de grammes? Je ne vois pas. 90 grammes, voilà. Mais c'est sympa à offrir. Ensuite, j'ai pris un classeur que je trouvais très beau, avec plein de flamants roses, assez pastel comme ça, marqué We Love. Et je trouvais joli. À l'intérieur, ah, il est déchiré. Bon, c'est pas grave. Il est un peu déchiré ici, le papier déchiré. Il est comme ça à l'intérieur. Et par contre, il y a que deux anneaux. C'est bête parce que les plus beaux classeurs ont toujours que deux anneaux chez Action. Moi, je préfère avec quatre. Et puis, j'ai pris un lot d'intercalaires. Ils sont en plastique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et voilà, c'est marqué chic, pretty, cute, love. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer toutes les paires de boucles d'oreilles parce qu'encore une fois j'ai pris plein de bijoux. Donc j'ai pris ce format là, vous savez vous avez c'est une boucle d'oreille clou, mais vous avez une petite tige qui passe en dessous et ce qui fait que vous avez une boule ou un motif qui pend en fait. Donc je vous montre, il y en a trois paires par lot. Donc j'ai pris ceci argenté parce que j'aimais bien avec les petites feuilles un peu tropicales là. Sinon vous avez des perles et puis d'autres boules argentées. J'ai pris comme ça rose gold où il y a des petites fleurs, un petit cœur comme ça. Enfin, elles sont vraiment très jolies. Voilà. Et puis celle-ci avec d'autres petits cœurs, des perles argentées. Ensuite j'ai pris ce
ceci. Donc ça, c'est des boucles d'oreilles. J'en ai déjà eu sur AliExpress. Je les adore. Mais c'est des plus gros formats. Moi, j'en ai utilisé plusieurs paires. Je les mettais tellement qu'elles étaient toutes abîmées. Donc là, vous avez une paire de pendantes et une paire de clous. Donc noir avec des petits strass dedans, les petits brillants argentés. Et puis rose gold avec les petits brillants dedans blancs transparents. Voilà. Ensuite, j'ai pris des anneaux dorés comme ça, avec des petits pendouillis comme ça. J'aimais beaucoup. J'en ai aussi pris à ma maman et elle a bien aimé. Ensuite, j'ai pris celle-ci et c'est des... Ah oui, en fait, c'est des pinces, je crois. Ouais, c'est des pinces. Mais elles sont sympas. Je trouvais que ça faisait... Ça pouvait faire très habillé, en fait, avec une belle tenue, une robe noire. Ensuite, j'ai eu un doute en allant, en retournant au magasin. En fait, je me suis aperçue que je les avais déjà prises. En fait, il y a plusieurs tailles et j'avais déjà pris les argentés, donc c'est un lot de 3 paires de créoles. Donc c'est pas grave, je donnerai à ma maman les autres. Du coup, ben, j'ai 2 fois les argentés et une fois les dorés. Voilà, et elles sont assez grosses. Il y a des paquets avec des plus petites tailles. Ensuite, j'ai pris des boucles d'oreilles comme ça, vous savez, style Chanel avec la grosse boule derrière en fait. Donc là, c'est des brillants qu'il y a au-dessus. Et les autres, c'est mélangé. Donc vous avez avec des petits cristaux dedans, avec des petites perles. Vous avez aussi avec des petits cœurs, mais moi j'en ai pas pris, elles étaient cassées. Voilà, donc je vous montre. Je vous avais mis une photo aussi sur Instagram, j'en avais pas pris à ce moment-là. J'ai également pris celle-ci. Et j'ai pris celle-ci, ça c'est pour une abonnée, parce que sur Instagram justement elle les a trouvées jolies, donc je lui ai dit que j'en enverrais. Voilà. Et j'essaierai de reprendre une paire si j'y retourne. Enfin, un lot de 3 paires. Ensuite, j'ai pris plein de petits clous d'oreilles comme ça, parce que j'ai trouvé vraiment très beau. Donc, je vous en avais déjà mis dans le concours d'autres modèles qui étaient super beaux aussi. Donc, je vais tester. Je vous avais dit que moi, ça me faisait mal aux oreilles. Je vais tester, on verra bien. Hein. Je pense que je les garderai pas très longtemps pour éviter d'avoir mal, mais je les trouvais vraiment trop belles, quoi. Les petits marrons là, même ça, enfin, je trouvais que c'était vraiment super beau. Et les boules là, en fait, elles sont pas entières, elles sont coupées. Enfin, c'est vraiment sympa. Et les dernières que j'ai prises, ce sont des plumes bleu, blanc, rouge, comme ça. Donc, y a pas mal de rayons en ce moment, enfin, de tête de gondole pour le foot, avec des maillots, des tas des chapeaux, du maquillage, des tas de trucs. Et moi, j'ai pris parce qu'en fait, j'aime bien au 14 juillet mettre... Voilà, me faire les ongles bleu, blanc, rouge. Ou... Et donc là, bah, j'aurai des boucles d'oreilles. Voilà. Ensuite, j'ai pris des bracelets. Donc apparemment, j'en ai pris 3 comme ça. Donc avec plein de petites perles. Voilà, dans les tons gris, blanc. Voilà. J'en ai pris un qui s'ouvre, qui n'est pas complètement fermé, noir, avec des petits brillants collés dessus. Et puis, j'ai pris un os de poulet comme ça, là. Fait un peu. Dans l'autre sens, il se met pas bien. Toujours en bracelet, j'ai repris des petits lots de 6 bracelets là que je trouvais super beaux. Et ouais, il y a tout cela que je ne vous avais pas montré. Donc voilà, le premier lot. Le second, j'aimais particulièrement le cœur. Le troisième. Et le dernier. Ces petits bracelets là, ils sont vraiment super beaux. Ensuite, j'ai repris des lots de bagues. Donc... Vous n'allez pas bien voir, on voit jamais bien. Vous voyez, avec des petits brillants bleus, des perles et tout ça. Ceux-là, plus avec du argenté et du noir. Et puis ceux-là en couleur aussi, avec du rose, du bleu. J'ai pris aussi des accessoires pour les cheveux. Donc vous savez, des petites des trucs qu'on tourne là pour mettre dans les coiffures, c'est super beau. Donc j'ai pris un lot comme ça, noir. Argenté, un peu crème. Donc à chaque fois vous avez 4 avec des boules, 4 avec des strass et 4 avec des fleurs. Gris comme ça. Et ensuite j'ai pris un avec les perles blanches, mais le tour est doré. J'ai également pris 2 élastiques comme ça qu'on peut camoufler avec, grâce au truc en plastique là qu'il y a avec. Et donc j'en ai pris un paillette marron.
Et un tout doré comme ça, que ça fait comme des petits picots, là, comme des clous. Et j'ai aussi pris deux barrettes, enfin pas deux barrettes, deux pinces, un lot comme ça. Elles sont léopard rose. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bracelet, enfin une grosse gourmette qui était dans une belle boîte et tout. Sauf que j'ai ouvert pour voir si ça m'allait. Donc je vous montre comme ça. C'est rose gold. Vous avez un petit cœur avec des petits strass. Et la fermeture, vous mettez la barre là-dedans. Et donc pour vous dire, moi j'ai un poignet de 16,5 cm. Donc en général, du 17 en bracelet, ça me va bien. Et là, c'est un peu grand, mais ça va. Vous voyez, il n'est pas non plus énorme. Ensuite, j'ai repris ces bracelets de cheville-ci. Donc pour ma soeur, parce qu'elle en voulait. Donc je les ai déjà montrés dans une précédente vidéo. J'en avais mis pour le concours. J'ai également pris ceux-là. Je trouvais beau aussi. Ceux-là. Et puis un autre, je vous mets une photo. C'est pour la fête des mères, donc je les ai déjà offert à ma maman, donc je ne peux pas vous les montrer. Maintenant on va passer au collier, donc c'est que des chokers. J'ai pris ce petit lot là, que je pense donner à une petite fille. Voilà, je trouvais tellement mignon. J'ai pris ceux là, donc c'est les mêmes que je vous ai mis dans le concours, mais je les voulais pour moi. Je les ai repris. Ceux là, je les trouvais super beaux. Et la première fois que je les ai vus, il en manquait un, il manquait le dernier. Je voulais presque le prendre quand même. Mais je me suis dit, oh, si ça se trouve, le dernier est trop beau. Enfin voilà. Puis autant y retourner au risque de qu'il n'y en ait plus du tout. Mais bon, j'ai fini par le retrouver. Et je trouvais que la petite chaîne du haut, là, tournée comme ça, était sympa avec le petit cœur et tout. Enfin, vraiment jolie. Et j'avais pris pour moi en même temps que. Enfin, juste après vous avoir pris. Celui du concours, j'avais pris avec du bordeaux comme ça. Je le trouvais beau aussi. Donc faut que maintenant que j'ai plein de chokers, il faudra que je les mette, faut que je teste, voir si ça me gêne pas trop. Enfin, je pense que c'est une question d'habitude. Ensuite, on a pris plusieurs balles anti-stress. Donc tout d'abord, on a pris ce modèle-ci, qui a plein d'orbis dedans. Donc voilà, je vous montre. Donc moi, j'ai pris une rouge comme ça. Et ma soeur a pris une violette et on a pris aussi une violette pour ma maman. Voilà. Elles sont sympas, elles sont vraiment pas chères chez Action. Et donc moi j'avais pris le nouveau modèle à la mode. Voilà. Il y a un petit filet dessus et ce qui fait que ça fait plein de billes. Enfin, plein de boules quand ça sort entre les mailles du filet. Donc il n'y avait que cette couleur là, mais je la trouvais sympa. Et les autres étaient abîmés. Donc quand nous y sommes retournés, ma soeur a retrouvé la même couleur que moi. Voilà. Et moi j'ai trouvé une rose trop belle. Et par contre on n'a pas trouvé les multicolores et tout ça, il n'y en avait pas. Donc voilà, on n'a pas pris. Hein. Et la première fois il y en avait, mais elles étaient toutes explosées. Voilà, c'était abîmé, les gens abîment tout ce genre de balles. C'est dommage. Et elle est vraiment trop belle la rose, vous voyez. Enfin, voilà. Par contre moi ça me gêne, je trouve que c'est trop gros, c'est chiant en fait. Ensuite j'ai pris plusieurs jarres comme ça. Donc j'ai pris deux cactus, un vert avec la paille verte et le bouchon feuille tropicale. Un violet, je le trouve trop beau aussi. Avec des petits cactus sur le bouchon, sur le couvercle, et puis une paille violette, comme ça. Et je les trouvais vraiment, vraiment trop, trop beaux. Il y avait aussi transparent, et je crois que c'est tout. Enfin, en tout cas, j'ai vu que ça. Et donc, l'ananas, je trouvais sympa du fait qu'il y ait une anse. C'est plutôt rigolo, d'habitude, on en voit, mais enfin, ils sont tout simples, il n'y a pas la anse. Le couvercle est... à des feuilles comme ça, pareil que sur le cactus, mais il y a un fond rose. Je sais pas si ça allait vraiment dessus, enfin peut-être que ça allait sur un modèle rose ou je sais pas. Et puis il y a la paille transparente, voilà, il n'y en avait pas beaucoup non plus, mais voilà, j'ai pris transparent, il y avait aussi jaune et il y avait vert. Dans le sac j'ai aussi ceci, on ne l'a pas acheté maintenant, mais ma soeur me l'a mis dans le sac, c'est une balle, vous savez, qu'on peut gonfler. Et elle m'a dit, demande à tes abonnés si ça les intéresse, qu'on fasse une vidéo où on remplit cette balle d'Orbis pour leur montrer comment faire une faire soi-même
une boule anti-stress comme celle-ci en fait, voilà. Donc je vous demande, est-ce que ça vous intéresse qu'on vous fasse une vidéo comme ceci? J'ai oublié un détail très important, ce serait une boule anti-stress géante, voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir cette vidéo ou pas. Mais en tout cas, on avait acheté ça il y a un moment chez Action. Ça coûtait pas cher non plus. Et je sais pas s'il y en a en ce moment, mais ils en ont régulièrement. Et ma soeur en avait plusieurs et celle-ci qui est neuve. Ensuite, en promotion, là, ils avaient... Enfin, je sais pas si c'était en promotion. Il y avait cette nouveauté, c'est les sets pour faire des cocktails. J'allais dire sans alcool, mais non. Donc moi, j'ai pris le set pour le mojito, tout simplement parce qu'il y avait un pilon. Et je trouve ça sympa. Enfin, ça peut servir même pour faire autre chose. Vous avez également deux pailles avec. Et donc, vous avez le verre. Voilà, ça, un verre comme ça costaud. Et derrière, vous avez la recette, en fait. Dans plusieurs langues, je cherche en français... 8 feuilles de menthe, un citron vert débité en quartier, 6 glaçons, un quart de rhum, 3 quarts d'eau gazeuse, verser les feuilles de menthe et les quartiers de citron vert dans le verre à mojito et les écraser à l'aide d'un pilon. Nanana, nanana. Enfin voilà, vous avez la recette, il existait pour gin tonic. Ça fait un petit moment, donc du coup je me souviens plus, j'avais regardé les différents, je crois qu'il y avait 3 ou 4 sortes. Et donc c'était à chaque fois avec des verres différents, bah, suivant le cocktail qu'on vous proposait de faire. Ensuite j'ai pris des petits post-it comme ça en forme d'emoji. Donc vous avez un premier paquet avec la licorne, un petit smiley qui fait un clin d'œil et puis une bulle pour écrire. Enfin de toute façon vous pouvez écrire sur toute la surface. Un arc-en-ciel. Le deuxième paquet, vous avez un chat à lunettes roses, un caca rose. Et une petite fleur. Donc voilà, je les trouvais vraiment sympa. Il y avait une autre sorte avec le singe qui a les lunettes là, mais j'aimais pas trop. Je sais plus trop ce qu'il y avait dans l'autre sorte, mais je préférais ces modèles-ci. Pour rester dans les emojis, j'ai pris un agenda pour la rentrée prochaine. Et c'est un agenda scolaire, donc qui va sur 2018-2019 avec une licorne. C'est marqué I believe in unicorns. Et c'est une licorne qui a un œil en cœur. Voilà, derrière vous avez le petit caca rose encore, le petit bisou, et puis le chat avec les lunettes de soleil, et c'est assez sympa dedans, je vous montre plein d'émojis, enfin voilà, et j'espère être prise à la rentrée dans un fac de psycho pour mon master, donc ça me sera utile, et je me dis ça importe les chances, je serai prise quelque part. Toujours en papeterie, j'ai pris ceci, c'est un petit intercalaire avec trois, comment qu'on appelle ça? Des onglets, oui. Enfin, c'est des marque-pages en fait. Et ça, je sais que j'en avais pour mon... quand j'ai écrit mon mémoire et je m'en suis beaucoup servie. Alors moi j'en avais des transparents comme ça, là, ceux-là ils sont repositionnables normalement. Mais j'en avais aussi sous forme de post-it, pareil, qui était sur un grand intercalaire. Vous aviez des post-it de toutes les tailles et vous en avez ben, de ce format-là. J'en ai aussi des comme ça mais qui sont dans ma trousse, c'est des la marque Maped ou je sais plus quelle marque, mais je les avais achetés assez cher et quand on voit ce que ça vaut chez Action, voilà, donc du coup ben... j'en ai plusieurs et quand j'ai écrit mon mémoire, je m'en suis servi énormément pour repérer ce que j'avais besoin dans les articles. Enfin voilà. Donc si vous êtes à la fac, ça sert toujours. Par contre, ça, on ne peut pas écrire dessus. Mais voilà, vous pouvez vous servir des différents codes de couleurs. Et puis donc le jaune, il est tout simple. Le bleu, c'est une flèche. Et le rose est plus large. Voilà. Ma sœur a voulu ceci. C'est des petits, comme du gel hydroalcoolique, mais sous forme de spray. Et les sprays sont vraiment sympas, donc il y en a deux à l'intérieur. Et comme ça, elle en prendra un et moi l'autre. Et c'est berry pour la petite fille blonde et cranberry pour la brune. J'ai trouvé les pinceaux licorne, voilà, j'étais trop contente quand je les ai vus. Je vais ouvrir pour vous montrer, j'en ai pris deux boîtes, un pour un lot pour moi, un pour ma maman pour la fête des mères, on lui a déjà offert. Et elle était très contente.
Donc vous en avez trois dedans, comme vous avez pu voir. Un pour la poudre. Et ils sont doux, hein. Ils avaient l'air pas mal. Donc les manches sont en forme de corne de licorne. Et ils sont multicolores. Voilà, ils sont vraiment trop beaux. Les poils sont majoritairement violets, mais il y a un petit peu de poils jaunes, poils roses dedans. Je sais pas si vous allez le voir, mais je pense pas que ça se voit. Mais voilà, ils sont vraiment très beaux. Donc un poudre, un fard à paupières qui, pour moi, il est trop synthétique. J'aime pas trop ce genre de pinceau, mais il est vraiment très beau aussi. Et puis un pour l'highlighter, comme ça. Voilà. Ils sont vraiment, vraiment trop, trop beaux. Je suis super contente de les avoir trouvés chez Action. Bon, ils étaient un peu chers par rapport au prix qui sont pratiqués chez Action d'habitude. Mais bon, pour des pinceaux licorne, voilà, je me suis lâchée. Ensuite, on a pris des cadres pour mettre des photos parce qu'il n'y a pas longtemps, notre cousin, vous aviez vu peut-être dans le vlog où on allait au Byron Bay, mais je sais plus. Ah oui, on achetait aussi des cadeaux pour le concours. Donc je vous mettrai, si vous n'avez pas vu, le lien dans le petit. On a pris des photos et donc du coup, on voulait un cadre pour mettre notre photo. Donc c'est une photo de taille standard, hein. Donc moi, c'est marqué 13x18. Parce que vous pouvez utiliser la totalité. Mais ce qui est bien, parce que je l'ai ouvert pour voir, vous avez un autre petit cadre en papier, vous voyez, qui est blanc là, que vous pouvez remettre par-dessus et puis mettre une photo de taille standard. Donc moi, j'ai pris celui-ci avec les bords pêche, hein, il ira très bien dans ma nouvelle chambre. Et un peu de bois comme ça, je le trouvais très beau, il existait dans d'autres couleurs. Je l'ai vu ensuite en blanc, il était beau aussi, mais moi, il n'y avait pas que je l'ai acheté. Et ma soeur a choisi celui-ci. Donc là par contre c'est 13x18, voilà, mais elle pourra mettre quelque chose en dessous, mettre la photo au milieu, enfin. Et il est très joli aussi, avec du bois et du blanc. Voilà, donc nos photos seront bien, bien rangées dans ces cadres. Ensuite j'ai repris des trucs comme ça là, pour faire des glaçons, là, des moules, cette fois-ci en forme de cœur. Donc la dernière fois je vous avais montré, j'avais pris... des fruits et voilà les cœurs. J'ai trouvé les brumes parfumées là pour le corps qui ressemblent au Victoria's Secret, tout le monde en parle, il paraît qu'elles sont super bonnes, tout ça. Donc moi il y avait les quatre, hein, là il y avait aussi la rose et la violette, mais j'ai pris celle que je trouvais qui sentait bon, voilà, les autres me plaisaient pas forcément. Donc j'ai pris la jaune Wild Desire, donc désir sauvage, je trouve qu'elle sent bon. Et puis la Summer Crush, voilà, la bleue, qui sent bon aussi. Ensuite j'ai pris une petite trousse toute pailletée comme ça, qui marquait Don't be afraid to sparkle, donc ne sois pas effrayé de briller, avec les paillettes dorées. J'ai déjà la rose que ma maman m'a offert, je sais plus exactement ce qu'il y a décrit dessus, mais c'est aussi en rapport avec les paillettes. Et ma soeur a la argentée, qui est belle aussi, elles sont toutes les trois très belles en fait. Et je vous ai pris une petite trousse pour vous aussi. C'est celle-ci avec les petits singes, je l'ai déjà. Et comme vous avez été nombreux à me dire qu'elle était jolie et que moi, franchement, je craque trop dessus, je la trouve vraiment trop belle, bah, je vous en ai pris une. Et la boîte du concours étant pleine, j'ai décidé d'arrêter là parce que déjà là, elle déborde. Et je me suis dit, je vous avais dit d'ailleurs dans le concours, que j'allais faire des mini-concours sur Insta. Et je vais faire ça en fait, j'ai d'autres choses que j'avais commandées sur AliExpress et d'autres choses que j'avais achetées en magasin mais que j'avais complètement oublié parce qu'ils sont encore dans un sac, j'ai pas fait la vidéo, donc du coup je les avais pas mis dans la boîte pour le concours et de toute façon ça n'aurait pas tenu, donc je me suis dit voilà, je vais vous mettre ça là-dedans et puis il y aura un gagnant, un tirage au sort sur Instagram, donc si vous me suivez pas encore n'hésitez pas allez me suivre et comme ça vous serez au courant des petits concours que je ferai assez régulièrement, voilà. Ensuite j'ai repris cet arbre magique là, désodorisant de voiture aux fruits, parce que je l'avais mis dans ma voiture, il sentait trop bon, il a senti quand même un moment, enfin après ça c'est pas un truc de foufou, hein, les arbres magiques comme ça, hein, ça sent pas non plus des mois, mais il sentait vraiment très bon, en plus il est beau, il est fluo comme ça, et donc je l'ai repris. Ma soeur a voulu cette petite déco là à suspendre, il y a un petit crochet et il y en avait plein de sortes, il y avait avec des cacatoès, enfin voilà. Elle a pris avec un petit cactus comme ça,
C'est vraiment, vraiment sympa. Il a une petite fleur blanche au-dessus, vous allez peut-être pas bien voir. Mais voilà, sa petite déco. Donc l'avant-dernier produit que j'ai pris, c'est un petit porte-monnaie comme ça, serpent noir et blanc. Il est beau et j'en voulais un Bordeaux parce que j'ai un sac Bordeaux mais j'ai pas de porte-monnaie. Mais il me fallait un porte-monnaie, pas un gros portefeuille parce que le sac est assez petit. Sauf que ben, le Bordeaux était pas très beau, il ressemble. C'était pas un Bordeaux comme mon sac en fait. Donc, et puis j'ai trouvé celui-ci trop joli. Donc j'ai pris celui-là. Et donc le dernier article, il s'agit d'une robe. Celle-ci. Une robe longue, fendue de chaque côté. Donc j'ai pris en taille M. Elle taille grand, donc j'aurais même pu prendre du S, sauf qu'en gris il y avait pas. Il y avait bleu marine en S, mais moi j'aime pas le bleu marine. Donc je l'ai pris grise, j'ai pas trouvé en L non plus. Si je l'ai trouvé en L, mais j'ai pas trouvé en noir parce qu'il y avait que du L, donc ça aurait été trop grand. Et donc voilà, elle était en promotion la semaine dernière, donc. On l'a beaucoup vu, il y a beaucoup de personnes qui en ont acheté, même des femmes enceintes, tout ça, parce que c'est assez extensible. Et elle est sympa, avec des bretelles larges, voilà, toute simple, en coton. Et donc voilà pour cette robe. Donc voilà comment elle est. Vous voyez, elle est vraiment très longue, donc les chaussures, je sais pas si vous allez voir, mais elles vont pas avec, mais c'est juste pour pouvoir vous montrer, pour avoir un petit peu de talons, c'est quand même plus joli avec les robes. Longue comme ceci, donc elle m'arrive aux chevilles et vous voyez elle est très fendue, donc elle arrive à peu près mi-cuisse et sinon elle est vraiment vraiment sympa et elle est fendue des deux côtés comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller participer au concours si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.